Bonjour tout le monde et bienvenue dans Club Tutoriel Informatique. Dans ce tutoriel-là, on va voir comment changer l'adresse MAC de votre machine. Donc, la première chose, on va vérifier c'est quoi notre adresse mail, notre adresse MAC par exemple, pardon. Donc, on va aller ici dans l'invite de commande, CMD. On va déjà lancer l'invite de commande comme vous allez voir là. On va faire déjà ip config tiret slash pardon pal. Comme vous allez voir, il va m'afficher toutes les cartes réseau que j'ai au niveau de ma machine. Voilà, j'ai plusieurs cartes réseau normalement. Et après, à ce niveau-là, il va nous afficher exactement l'adresse physique. L'adresse physique, c'est bien ça l'adresse MAC exactement de ma carte Wi-Fi ou bien de ma carte à réseau. Normalement, il se compose de 12 lettres et chiffres. Voilà, vous voyez ici. Donc, à ce niveau-là, comme vous allez voir, j'ai plusieurs cartes réseau et toujours j'ai l'adresse MAC, exactement l'adresse physique de ma machine. Je peux exactement m'y faire une autre invite de commande, git MAC-V, pour avoir plus d'informations exactement sur les cartes Wi-Fi, cartes réseau et cartes même virtuelles que j'ai avec les adresses MAC, comme vous allez voir à ce niveau-là. Voilà, elle est en train de chercher. Voilà, elle m'affiche le nom de la connexion, la carte réseau, ou c'est l'adresse physique qui est l'adresse MAC. Donc, pour changer exactement l'adresse MAC de ma carte et réseau exactement à ce niveau-là, donc, je peux aller directement, par exemple, on va faire le changement, on va faire un test sur cette ligne-là. Comme vous allez voir, on va changer cette adresse MAC-là. Normalement, on peut aller directement à ce niveau-là, comme ça, on va cliquer droit sur le Windows ici. Après, on peut aller dans le gestionnaire de périphérique. On peut faire cette manip-là. Sinon, on peut cliquer directement sur ce PC-là, comme ça. Et après, on peut faire gérer. Donc, on va déjà travailler avec ça. Comme vous allez voir, on a dit, on va aller dans carte réseau ici. On a dit, je veux changer exactement l'adresse MAC pour cette carte réseau-là. Donc, si je clique comme ça, et après, je vais faire propriété. Et après, je peux aller directement dans avancer. Et je cherche ici adresse MAC ou bien adresse administrée localement ou bien network réseau. Network address. Par exemple, ici, j'ai network address. Donc, je peux cliquer directement à ce niveau-là. Vous voyez ici absent, c'est-à-dire il n'y a pas un changement. Donc, je peux cliquer exactement directement ici et je peux mettre les valeurs. Donc, je peux mettre les valeurs, par exemple, ici de l'adresse MAC. Donc, j'essaie directement de mettre, par exemple, A, B, B, C, C, T, E, E, F, F. Ça, c'est seulement un exemple. Vous pouvez mettre, par exemple, même SCF3 à la fin. Ou bien, vous changez exactement, vous mettez n'importe quelle adresse MAC que vous voulez, selon exactement votre choix. Donc, ici, on va faire seulement un test. Je clique sur OK. Voilà, il va actualiser exactement la carte réseau pour la mettre à jour. Et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit, on va faire le test sur cette carte réseau-là. Donc, vous voyez, ici j'ai 00155DA16E7E. Donc, si je mets à nouveau getMAC-TRV, vous allez voir exactement que l'adresse MAC a été changée. Voilà, elle cherche. Voilà, vous voyez la ligne. L'adresse MAC a été changée. Il a bien pris l'adresse MAC que je viens de mettre. Seulement une information de plus. Parfois, par exemple, si je prends ici ma carte réseau directement, ma carte réseau de ma machine, si je prends celle-là, vous allez voir que j'ai une autre valeur exactement, adresse administrée localement. La même chose à ce niveau-là, je peux mettre l'adresse MAC exactement personnalisée à ce niveau-là, et après je clique sur OK pour qu'elle prenne exactement les changements. Voilà, notre tutoriel arrive à sa fin. À la prochaine vidéo, bonne journée, au revoir.